faut agir surtout. Applaudir ou manifester, c'est bien. On a applaudi à 20h. On manifeste aussi et on manifestera aussi en ce moment pour la santé, pour George Floyd, pour la lutte contre les discriminations aussi en France. Mais surtout, il faut agir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action. Ça fait 6 ans que je veux supprimer, je bataille avec la Poste pour supprimer ce code postal. Parce que ce code postal, finalement, il vient renforcer nos barrières mentales. Il n'a pas de réalité en pratique opérationnelle. Nous avons des quartiers très différents. Quand on parle 38 100, ceux qui parlent du 38 100, généralement, ils parlent de la Villeneuve ou de Mistral. Ils ne parlent pas des Eaux Claires, ils ne parlent pas de la Capuche, ils ne parlent pas du quartier de Jeanne d'Arc, ils ne parlent pas de tout ça. Donc moi, je cherche à faire tomber les coutures, faire tomber les frontières et donc faire tomber aussi le code postal. C'est en référence à un article récent, ça. Ouais, j'aime bien les deux. Il y a du flamboyant chez les deux. J'aime bien ce caractère fort. J'aime bien cette parole forte aussi. Et puis, Canto et Mélenchon ont quand même bien fait progresser et le foot et la politique. Objectivement, c'est plutôt la Gili parce que ce film est assez extraordinaire et puis parce que peut-être que quand j'étais plus jeune, je lisais plutôt que des bouquins d'histoire ou de philo ou de réflexion et pas trop cette grande littérature qui me manque sans doute, en tout cas pour Les Misérables. Je ne l'ai pas lu, je l'avoue, humblement. La santé, ça passe par le climat, ça passe par la lutte contre le dérèglement climatique. La santé environnementale, c'est aujourd'hui ce qui est le plus important sans doute dans notre mode de vie, dans notre santé. Les maladies chroniques, c'est ce qui est le plus important, tout ça est lié. Donc luttons contre le dérèglement climatique, portons la question du sens et on arrivera en même temps, qui m'intéresse, celui-là, à la santé environnementale et à la santé tout court.